Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez gagner quelques FPS avec une fonctionnalité qui est passée presque inaperçue sur Windows 10. Tout d'abord, vous devez savoir que pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez avoir minimum la dernière version à l'heure actuelle, qui est la 20.04 de Windows 10. Sans ça, vous ne pourrez pas activer cette fonctionnalité. Vous devez également avoir tous vos pilotes à jour de votre carte graphique, que ce soit du côté AMD ou du côté Nvidia. Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les cartes à partir de la gamme 10, donc 10, 16 et toutes les RTX côté Nvidia, et côté AMD, uniquement les 5600 et 5700. Je vous montre tout de suite comment activer cette fonctionnalité. Vous vous rendez dans le menu Démarrer, Paramètres, Système, Affichage, vous descendez tout en bas, Paramètres graphiques. Par défaut, cette fonction est désactivée, donc vous n'avez qu'à l'activer et vous redémarrez votre machine. En fait, cette fonctionnalité permet de mieux répartir la puissance du GPU et du CPU dans les jeux pour que vous puissiez avoir un maximum d'images par seconde. En ce qui me concerne, j'ai gagné pas mal de FPS sur certains jeux, un peu moins sur d'autres, mais surtout j'ai ressenti qu'il y avait une meilleure stabilité et mon GPU et mon CPU chauffaient un peu moins. Si vous n'avez pas toutes ces améliorations, je vous conseille de désactiver cette fonction et de redémarrer votre PC. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça récompense mon travail, ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, salut!